Fort Boyard, cette grosse bourde de la production qui a déstabilisé Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne et une équipe de joyeux lurons s'attaqueront aux épreuves de Fort Boyard ce samedi 13 août. Mais pour sa quatrième participation à l'exercice, l'humoriste a dû faire face à une grosse boulette des équipes de production qui l'ont poussé dans ses retranchements. Partout où il passe, Jean-Luc Lemoyne fait sensation dans son habituel rôle de sniper, mais également sur d'autres terrains inattendus. Il a ainsi brillamment remporté le concours des animateurs en juin dernier, le dernier présenté par Alessandra Sublet sur TF1, grâce à sa tête bien remplie. Mais les jambes suivent plutôt pas mal et auront l'occasion de le prouver dans les couloirs de Fort Boyard, ce samedi 13 août. L'ex-acolyte de Cyril Hanouna fera équipe avec Karine Tessandier, Johan Rioux, Karima Charny, Rebecca Hampton et Pierre-Antoine Damecourt pour rafler le magot et détrousser le père Fourat. En habitué de l'exercice, c'est sa quatrième participation, NDLR. Jean-Luc Lemoyne jouera les capitaines de route et devra notamment canaliser l'énergie de son camarade Johan Rioux, avec qui il co-anime samedi d'en rire. Mais lui aussi a dû apprendre à maîtriser ses nerfs, alors que la production lui a réservé une surprise de dernière minute à laquelle il n'était pas préparé. De la catapulte à la cabine éjectable. Le magazine Télé Loisirs, présent pendant le tournage de l'émission, nous apprend que le père de Gaspard est Violette Appoint. Dû faire face à un changement d'épreuve, alors qui était originalement prévu sur la mythique épreuve de la catapulte. Les équipes du divertissement se sont en effet aperçues au dernier moment que... À lui de montrer qu'il n'a pas perdu son sens de l'improvisation.